Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je vous ai promise. Donc, c'est une vidéo masque, c'est un masque facial pour les peaux ternes. Donc, c'est vraiment un masque qui va illuminer votre teint et le rendre plus éclatant. Pour la petite histoire, ce masque, je l'ai testé pour la toute première fois en 2014, alors que je revenais d'un voyage de 3 mois au Cameroun. Donc, à mon retour, mon teint était terne en fait, donc j'avais la peau plus bronzée que d'habitude, ce qui n'est que normal parce que j'étais beaucoup plus exposée au soleil qu'ici. Mais j'avais surtout la peau plus terne en fait, donc une peau peu éclatante. Donc, ça c'est forcément parce que je n'avais pas une routine adaptée pour ma peau en ce moment-là. Mais ça, je l'ai rectifié cette année quand je suis allée à Dakar. J'avais une autre routine pour ma peau. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parlais de ça. Quand je suis revenue, j'avais la peau nickel, comme si j'étais même pas partie en fait. Donc bref, c'était la petite parenthèse. Donc je cherchais comment vite retrouver l'éclat de ma peau. Et puis il y a ma soeur qui m'a dit, ah mais tiens, il y a ce masque que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais il est magnifique, il faut absolument que tu le testes et tu me diras quoi. Comme j'avais les ingrédients à la maison, j'ai tout de suite commencé à utiliser ce masque là. Et je vous assure que deux maximum trois jours après, ma peau était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineuse. Donc, je voyais vraiment la différence sur mon visage. Et là, je me suis dit, ah, il faut absolument que j'utilise ce masque-ci tous les jours. Et j'ai continué à utiliser le masque pendant 2 semaines, non-stop, mais tous les jours. Et donc, après les 2 semaines, ma peau était devenue nettement éclatante. Donc, si vous avez la peau terne ou si vous voulez simplement avoir une plus belle peau, une peau plus douce, cette vidéo est faite pour vous. Donc, regardez-la. Pour réaliser la recette, on aura besoin de la poudre d'amande. Donc la peau d'amande, vous la trouvez en supermarché, dans le rayon où on vend les fruits secs, donc les noix et tout ça. On aura besoin du citron et du miel de manuka. J'ai pas encore eu à utiliser un miel autre que le miel de manuka pour faire cette recette, donc je ne peux pas vous garantir qu'avec les autres miels du commerce, vous aurez le même résultat. En plus, le miel de manuka a des propriétés désinfectantes, antibactériennes, donc pour moi, je préfère vraiment utiliser ce miel-là. La préparation, dans un petit contenant, je vais mettre 2 cuillères à café de poudre d'amande. Ensuite, je vais ajouter du jus de citron, donc une cuillère à soupe de jus de citron. Ensuite, on va mettre le miel de manuka, une cuillère à café de miel de manuka. Et on mélange tout ça et la préparation est prête. Maintenant, la recette que je vous ai donnée, c'est pour 2 utilisations. Donc, vous utilisez et vous gardez au frigo pour réutiliser le lendemain. Mais il faut quand même l'utiliser assez rapidement. Et si vous voulez en faire pour une seule utilisation, il faut diviser les ingrédients par 2. Alors l'étape suivante n'est pas du tout obligatoire, c'est optionnel dans cette recette-ci. Il s'agit d'un bain vapeur pour le visage. Je vous montre ça parce que je trouve ça vraiment efficace pour le visage également. Et c'est assez rapide à faire avec le air steamer. Donc je mets juste de l'eau que je fais bouillir et puis je me couvre la tête avec... avec une serviette, un essuie, je laisse vraiment pénétrer dans mon visage, ouvrir les pores et tout ça. Donc voilà, mais vraiment c'est pas obligatoire. Donc on passe à l'application de notre préparation. Je vais l'appliquer comme ça, par mouvement circulaire, comme un gommage. En fait c'est un gommage et un masque à la fois, parce que la peau d'amande a des petites graines fines en fait, qui vont gommer la peau. C'est très intéressant pour les personnes qui ont la peau sensible comme moi en fait, parce que je supporte pas du tout les gommages avec le sel ou le sucre et tout ça. Pour moi il faut des graines très très fines en fait. Donc là j'applique par mouvement circulaire, je masse, je rajoute quand j'en ai plus, et voilà, je le fais avec les deux mains en général. Et je vais faire ça pendant à peu près 10 minutes, ensuite je laisse poser. Je laisse poser en fonction du temps que j'ai devant moi. Donc si c'est le week-end ou en soirée, donc je suis à la maison, j'ai plus de temps, bah, je vais vaquer à d'autres occupations et puis je vais laisser mon masque poser pendant 1, 2, 3 heures de temps avant de rincer. Mais quand c'est le matin, vous voyez comme je le mange là, c'est tout bon, c'est tout naturel et il n'y a pas de danger. Mais si c'est le matin, comme je disais, lorsque je vais au travail, bah, je vais laisser poser 20 minutes et après je fais rincer. Voilà, j'ai rincé mon visage. Et là vous n'allez pas voir parce que la lumière me fait défaut, j'ai pas mon éclairage, mais sinon j'ai la peau très très douce, très très fraîche, bien hydratée.
Donc les filles, je vous invite vraiment à tester ce masque-ci. Et ce qui est encore plus important et beaucoup plus bien, c'est que ce sont des ingrédients naturels. Donc vous ne devez pas avoir peur de l'utiliser autant que vous voulez. Donc on a le miel, le citron, la poudre d'amande qui a son fini l'été, très doux en fait sur la peau. C'est vraiment agréable d'appliquer ça. Et c'est que du bonheur quoi, pour la peau. Il ne faut pas juste regarder la vidéo et se dire est-ce que ça marche. Non, je vous invite vraiment à tester et vous verrez la différence. Voilà les filles, je vous souhaite de vous porter comme un charme. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.